Le pollinate est un exudat de sève mucilagineuse issu de l'Astragalus gummifère, qui est un petit arbuste qui provient des contrées asiatiques. La sève est récoltée sous forme de ruban et ensuite elle va être pulvérisée de façon mécanique sous forme de fine poudre. Ce texturant est un gélifiant naturel qui est hydrosoluble à froid et on va l'utiliser pour sa grande capacité viscosifiante à de faibles dosages. Il agit comme agent de suspension et permettra la formulation de gels exfoliants par exemple tout à fait homogènes. Les gels obtenus vont vraiment être stables sur une large gamme de pH et possèdent aussi une excellente tolérance aux différents électrolytes et tensioactifs. De ce fait, vos formulations seront stables dans des conditions extrêmes. Le pollinate est un émulsionnant. Il va permettre d'émulsifier toutes vos galéniques de type sérum, lait ou encore vos crèmes. La gomme adragante est utilisée de façon historique. Dans le monde de la cosmétique, on a retrouvé des traces ancestrales d'utilisation dans la médecine chinoise par exemple, et il est aussi mentionné à plusieurs reprises dans le Cerbelot, qui est un ouvrage de référence dans la formulation cosmétique. Pour autant, aujourd'hui, elle est encore peu utilisée dans ce secteur à cause de l'utilisation massive des polymères synthétiques. Mais avec le retour au naturel, la gomme adragante a vraiment un grand avenir dans la formulation cosmétique et notamment dans le développement de vos gels et crèmes. Le pollinate agit vraiment comme un activateur sensoriel et vraiment un des points forts de la gomme adragante est sa capacité à rendre un fini ultra doux sur la peau après application.